Cette chose qui grandit là, à l'intérieur de moi. Ça fait si longues années que j'essaie de la combattre. Le docteur Amaral travaillait sur un remède contre le syndrome des Chronons. Elle était la seule à pouvoir m'administrer les traitements qui freinaient l'évolution de ma maladie. Paul. Et Jack, il a osé me l'enlever. Comment est-ce que ça a pu arriver, Martin? Comment est-ce qu'ils ont réussi à l'enlever? Paul, c'est la maladie qui parle. Je suis dans votre camp. Du calme, ça va aller. Ils me l'ont enlevé. Et sans Sophia, je n'ai aucune chance de trouver un remède. On a fait le maximum. Mais certaines personnes au sein de Monarch veulent votre perte. Burke était la partie visible de l'iceberg. Joyce n'a pas agi tout seul. Monsieur, on a retrouvé l'ordinateur du docteur Amaral. Il est là-bas, si vous voulez venir voir. J'arrive tout de suite. Je veux vérifier les calculs de Sophia. Si elle a raison, la fracture évolue bien plus vite que nous ne l'avions anticipé. Vous connaissez le futur. Le docteur Amaral, non. Est-ce que la capsule temporelle est prête à être activée au moins? Elle essaie de vous convaincre que vous n'avez plus le temps. Pourquoi? Pour que vous vous hâtiez? Et que vous commettiez une erreur? Les traîtres dont je parlais, elle pourrait en faire partie. C'est impossible. Êtes-vous prêt à compromettre tout le plan à cause d'elle? Je vous en prie, repoussez l'activation, Paul. Laissez-moi faire le ménage, avant que tout ça ne nous échappe complètement. Que voulez-vous faire maintenant? Bon, eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Frigiel. J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode... Alors, je crois que c'est l'épisode 9 de notre aventure. On a aujourd'hui un choix assez important à faire, qui sera suivi du coup de l'épisode de la mini-série, comme d'habitude, comme à chaque fin de chapitre. Vraisemblablement, du coup, donc Paul est vraiment en danger, vu que le docteur Amaral a été capturé. Il ne peut plus recevoir son traitement, et on a vu ça dans la cinématique au tout début. Ça dégénère totalement, visiblement, quand il n'a pas son traitement. Ça peut aller très très vite, à mon avis, et je pense qu'il est, plutôt mal barré pour l'instant. Le fait est que du coup, on va avoir un choix assez important, j'ai l'impression, sûrement de démasquer les traîtres, ou alors d'activer... la capsule temporelle. Je vois juste qu'il y a un petit truc à... Je sais pas ce que c'est ça, il y a une petite interaction ici. J'aurais dû être là. Quelqu'un m'a trompé et m'a envoyé dans les tunnels pour détourner mon attention. Comme je vous le disais, certaines personnes veulent votre perte. Qui était-ce, à la radio? On y travaille encore. Ah oui, mais c'est vrai que notamment... comment elle s'appelle? Bess? C'est vrai qu'elle l'a envoyé, en fait, elle a dit à Paul et à tout le monde d'envoyer des renforts à un endroit qui n'était pas le bon endroit, c'est vrai. Sur le coup, lors de l'épisode, je me suis dit, mais pourquoi elle leur dit d'aller ici alors que c'est là où on est? Mais en fait, c'était pas du tout là où on est. C'est pour ça qu'on n'a pas croisé Paul, alors pendant tout l'épisode, je me suis dit, mais non, mais on va tomber sur Paul, là, il sait où on est et tout ça. Alors pas du tout, elle avait donné une fausse info. Votre discours s'est bien déroulé. Toute la confiance qu'on avait réussi à regagner s'est envolée au moment où Jack a ouvert le feu. C'est vrai, et du coup il avait fait son discours, c'était notre choix entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc écoutez, c'est parti, on va aller voir un petit peu ce qui se cache sur cet ordinateur, et il sera temps de faire notre petit choix. Alors, non, voilà. Quelqu'un œuvrait à mon encontre, quelqu'un de proche. Martin Hatch, Sophia Amaral, je ne pouvais me fier qu'à l'un d'eux. Ah oui, donc il doit carrément choisir entre Amaral et Hatch, alors. Hatch, il a pas l'air très honnête, hein, jusqu'à présent. Amaral, elle avait l'air plutôt réaliste par rapport aux enjeux de la situation.
On va voir un petit peu, vu que normalement il peut. Bah justement, il peut savoir un petit peu ce qui va découler de ses choix. Je veux qu'on l'arrête. Immédiatement. J'ai des informations sur Martin Hatch. Martin avait été mon bras droit depuis des années. Je commençais à me demander si je m'étais trompé sur lui. Sophia est loyale. Elle l'a toujours été. Je lui fais pas confiance. À la façon dont elle a regardé la contre-mesure, je jurerais qu'elle a déjà vu. Qu'elle sait à quoi elle sert. Les travaux de Sophia m'avaient sauvé la vie. C'était l'incarnation même de la loyauté. Alors ça aide pas beaucoup hein, comme information. Confiance à Sophia, je suspecte Hatch de l'avoir trahi. Bon, bah, forcément, ouais. Mais bon, ça donne pas trop d'informations sur ce qui va se produire derrière. Allez, docteur. Allons réparer cette machine. J'ai dit que j'allais essayer. L'épreuve désignait Sophia. Je ne pouvais pas me contenter de l'ignorer malgré tout ce que nous avions traversé ensemble. Elle savait que vous n'iriez pas loin sans le traitement. Et ensuite, elle vous l'a retiré. Si elle m'avait trahi avec tout ce qu'elle savait, elle pouvait causer des dégâts incommensurables. Bon. En fait, moi honnêtement, je fais pas confiance à Hatch depuis le début. C'est pour ça d'ailleurs que je ne voulais pas qu'il s'exprime lors du discours, lors du choix de la vie professionnelle et de la vie également donc personnelle. Bon, honnêtement, je pense que je vais faire confiance au docteur Amaral. Je sais pas du tout si c'est un bon choix, parce que Paul a quand même Hatch a quand même des motivations très fortes derrière. Mais j'ai l'impression que c'est plus des motivations personnelles ou... Ouais, c'est pas vraiment on va sauver le monde, c'est plus voilà, je vais peut-être prendre la tête de Monarque ou des trucs comme ça. Donc je lui fais pas vraiment confiance, depuis le début je lui fais pas trop confiance. Il a libéré Jack volontairement hein, pour mettre du coup Paul en mauvaise posture parce qu'il savait que Jack allait sûrement kidnapper du coup le docteur Amaral, ce qui s'est passé. Donc écoutez, on va faire un choix, moi ça me paraît être le choix logique, je pense que vous auriez fait le même choix. Je suis curieux de savoir hein, ce qui se passerait si on... Comment dire, si on soutenait Hatch, je préfère faire confiance du coup au docteur Amaral. Je sais pas trop ce que ça va pouvoir donner parce qu'elle n'est plus là, mais on va essayer de lui faire confiance du coup. Donc on va prendre le choix de gauche. Les données de Sophia ont toujours été exactes, je lui fais confiance. On doit analyser ces chiffres et accélérer les derniers préparatifs pour l'activation de la capsule temporelle. Très bien. J'amènerai l'ordinateur à l'équipe scientifique. Non, je vais m'en occuper moi-même. Je vois. Monsieur ? Je veux une équipe sur Monsieur Hatch. Ne le quittez surtout pas des yeux. Bien, monsieur. Compris. On a extrait des images des caméras de surveillance. On a identifié le complice de Joyce. C'est Bess Wilder. Un de nos agents intermédiaires. C'est elle. Bon sang, elle est chez nous depuis le début et elle travaille avec Jack. Où est-ce qu'elle se trouve ? On l'ignore, mais une équipe de tueurs la suit. Non, on ne peut pas l'éliminer. Pas encore. Trouvez-la. Et en ce qui concerne Monsieur Hatch, je veux tous les détails. Ne me faites pas faux bond. Bess Wilder. Je n'avais jamais entendu ce nom avant. Pourtant, elle était là, dans le passé. Quand tout avait commencé. Elle avait été là depuis tout ce temps, à manigancer contre moi, de l'intérieur. Et elle n'était pas la seule à le faire. Bon, alors, je suis très étonné, je comprends pas bien cette logique, là. Justement, il connaît cette fameuse Bess, visiblement, il s'est fait attaquer, dans le passé, et pourtant, il l'a quand même embauché. Je comprends pas bien cette histoire, je pense qu'on en saura un petit peu plus, mais il y a, encore une fois, il y a vraiment une pièce manquante avec ce personnage qui est Bess, et j'espère qu'on en saura un petit peu plus, et visiblement, donc, la plupart des gens ont fait le choix que j'avais fait, de soutenir le docteur Amaral et de se méfier un petit peu de Hatch. Je pense que c'est le choix logique. Écoutez les amis, je vous laisse donc du coup visionner un petit peu cette mini-série et on se retrouve du coup dans le prochain épisode pour reprendre du coup les commandes et découvrir la suite de cette histoire. Allez, bon visionnage.
Le traitement, il est de moins en moins efficace. Sophia, tu ne devrais pas t'inquiéter autant. Recule lentement. Je dois accéder à ce labo. J'ai besoin de quelque chose qui s'y trouve. Le plan capsule temporelle. Paul est un homme extrêmement dangereux. Et la situation ne fera qu'empirer si personne ne l'arrête. Qu'est-ce qui vous fait tellement peur, Martin ? Est-ce que j'ai vraiment l'air d'avoir peur ? C'est le rapport du docteur Amaral. Les interruptions, elles sont de plus en plus rapprochées. Qu'est-ce que c'est ? Une forme de vie à chrono instable. Extrêmement hostile. C'est le docteur Kim. Allez, on y va, on y va ! Non, 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 fais pas ça ! Arrête ! Enfuis ça ! Je dois parler à Hack. Et qu'est-ce que Burke a à faire là-dedans ? Ça, je l'ignore. Je sais même pas ce que c'est que ce plan capsule temporel. C'est un abri. Conçu pour protéger une liste d'employés essentiels de Monarch pendant la tempête, le temps qu'il développe une solution. Le personnel essentiel. Ça veut dire que... mon nom sera sur la liste, hein ? Pas tant que Paul Sirène se recommande. Il n'arrive même plus à faire le tri parmi ses employés. Il est obnubilé par ses rêves de grandeur et ses fantasmes. Vous voulez savoir ce qui me fait peur plus que toute autre chose sur cette planète ? La notion de Dieu. Le principe même. L'idée d'un être tout-puissant. La possibilité de donner et de reprendre si facilement. Ce genre de pouvoir devrait être craint, pas adoré. Pourtant, les gens croient en Dieu, tout comme ils croient en Paul Sirène. Vous voyez, le plus inquiétant avec Dieu, ce n'est pas son pouvoir, mais plutôt s'il en perdait le contrôle. Paul Sirène a perdu la raison, Charlie. Il a déclenché une catastrophe. Il pourrait l'empêcher, mais il s'y refuse. Il tient à ce que tout se termine. La fin du temps. C'est là que nous intervenons. Nous ne pouvons pas prendre le risque de laisser les clés du royaume aux mains d'un seul homme. Il nous faut un plan de secours. Il existe une chose appelée le RCC. C'est une pièce maîtresse de notre survie et nous devons la protéger. Mais tant que Paul sera le seul à y avoir accès, elle sera en danger. Si j'arrive à accéder au RCC, je prendrai le contrôle, remettrai Monarch sur la bonne voie et après ça, je lancerai une restructuration complète, Charlie, et à ce moment-là, je ferai de vous mon bras droit. Vous me mettrez sur la liste ? Absolument.
Dans ce cas, je dois retourner à Monarque. Parce que ce genre d'élévation des privilèges, ça ne peut se faire que de l'intérieur. Délicieux. J'ai fait verrouiller l'île, mais il y a un vieux tunnel de service qui court sous la baie dans la station de pompage. Personne ne sait qu'il existe. On ne vous verra pas. Le temps nous est compté, Charlie. Vous devriez y aller. Ouais. Commandant Davis ? Oui, monsieur. Allez au labo du périmètre. On passe à l'étape suivante. La fréquence des interruptions reste imprévisible, mais elle continue. De façon aléatoire, mais elle continue. Je dois être sûr. Une fois le protocole lancé, c'est irréversible. Monsieur Seren, avec ce genre de phénomène, on ne peut pas être sûr. C'est la première fois que ça se produit. Combien de temps ? Nous avons lancé les simulations du docteur Amaral. Sans elle, pour confirmer, c'est dur à dire, mais... Donnez-moi une estimation. Je ne donne pas 8 heures avant que le champ de Joyce s'effondre. Monsieur Seren, si vous voulez continuer, vous devez vous décider maintenant. Charlie ! Fiona ! Hé, mon grand, où est-ce que tu vas ? Vous avez raison. Le temps s'effondre, comme vous l'aviez dit. Et le plan capsule temporelle, c'est un endroit. Ils l'ont construit pour protéger les gens de la fracture. Le seul problème, c'est qu'il y a une liste. Autant dire que ceux qui n'ont pas la chance d'être dessus sont foutus. Mais si on arrive à regagner le continent, je pourrais nous ajouter à la liste. Nous tous. Toute l'île est verrouillée. Comment tu vas t'y prendre, Charlie ? Il y a un tunnel. Hé, hey, ok, si jamais je découvre que tu mens encore, je te choque ! Allez vous faire foutre ! Lâchez-moi ! J'en ai ras le cul. Je sais pas pourquoi vous faites ça, mais je suis pas obligé de mettre votre nom sur cette liste, enfoiré. Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Il va bien. Je vais te dire pourquoi tu vas me mettre sur cette liste. J'ai une femme enceinte qui m'attend. Et c'est la seule chose qui compte pour l'instant. Alors si jamais tu m'empêches de la protéger, la prochaine fois, je te jure que je m'assurerai que tu respires plus. Passe devant. Bonsoir, docteur Amaral.
Plus que 5 minutes, monsieur Hatch. Allez. Je suis venu vous libérer, mon ami. Cet emprisonnement, c'est déroutant. Il est temps pour vous de rejoindre les autres, de retourner à l'infini. Elle est à combien de mois, votre femme? 3 mois. Félicitations. 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 C'était quoi ce bruit? On est sous la baie. Ah. Liam ? Cassé? Non. Non, et vous? Ça va. On a juste besoin. À terre! Allez! Hé! Eh, non, non, non! On est avec Monarch! Vous êtes bouché ou quoi? Non! À terre! Hé! Non, 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 non! Oh, c'est moi qui vous ai appelé. Et je suis avec Hatch. Wincott? Ouais. C'est qui, elle? C'est une spécialiste du chronon. Elle est importante. On doit l'emmener à Monarch immédiatement. S'il vous plaît. Cassez-vous de là, allez! Allez! Ouais. Gibson. Juberg. Fiona! Fiona! Fiona, tu dois m'écouter! Et... Ah, espèce de salaud, tu l'as tué! Merde! Hé! Hey. Je savais pas qu'ils allaient le tuer! Qu'est-ce que j'étais censé faire, hein? Tu m'as fait marcher et vous m'avez kidnappé! Il ne s'agit pas de toi, Charlie! T'es en train de voler cette voiture? Dégage de là, allez! Non, t'as besoin de moi! J'ai obtenu ce que je voulais de toi. Ouais, je commence à avoir l'habitude. Ouvre un peu les yeux! Le monde aura bientôt disparu, j'essaie de me rendre utile! Ouais, t'es une vraie héroïne. Enfoiré!
Une infirmière. Je te verrai là-bas. Burke. Enfoiré. Tu sais... je vais me faire un plaisir de tuer ta femme. Commandant Davis. Davis et ses hommes. C'était de bons éléments. Les meilleurs de Monarch. Paul. Paul. Paul! Il y avait mon traitement. J'ai bien peur que oui. Vous savez ce que ça signifie? Vous ne pouvez pas en être sûr. Je vais mourir! Tout ça, c'est votre faute! Jack, il aimerait me voir devenir son but et de me faire souffrir! Jusqu'à la fin. Joyce et Wilder. Mais ce qui me perturbait, c'est qui leur avait donné accès au labo de Kim. Elle est passée. Quand on la croyait disparue. Quelques minutes avant l'explosion. Paul! Paul, vous! Paul, vous voulez bien m'écouter? Paul, il est temps que vous compreniez qui elle est vraiment. Ceci était son cadeau de départ. Ils l'ont obligée. Elle essaie de vous détruire, non, Paul! Elle essaie de m'aider! Bon sang! Regardez-vous. Il n'y a pas plus intelligent que vous. Pourtant, vous êtes aveuglé par un amour puéril. Paul, qu'est-ce que vous comptez? Sophia est loyale. Elle vous manipule, Paul! Elle a toujours été loyale. Réfléchissez un peu. Si la fracture se produit maintenant, je lui dois ça. Holden. Qu'est-ce qui se passe? Le protocole a été lancé. Je dois réveiller ma famille. J'ai bien peur que le temps presse.
Merci et bienvenue. Nous sommes réunis ce soir pour une occasion très spéciale. Depuis longtemps, nous avons travaillé... Liam ? Salut, vieux. Content que t'aies pu venir. J'étais justement en train de lui dire qu'on était tous super inquiets pour toi. Emily, on doit y aller. Déjà ? Mais rien ne presse. Emily, allons-y. Emily, donne-moi les clés. Donne-moi les clés, Emily. Approche pas de moi. Emily, écoute-moi. Écoute-moi, je t'en prie. Je t'en prie, c'est pas moi, ça. C'est pas... Tu dois me croire. J'ai jamais fait ça par plaisir. J'ai jamais fait ça par plaisir. Et j'ai jamais rien su faire d'autre. Et quand je suis revenu, j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé d'autre à faire. Et Monarch avait besoin de gens comme moi. Et ils m'ont donné du travail. Et je te jure, j'ai jamais pu. Je supportais pas d'être seul. Alors, chaque mardi et chaque mercredi, j'allais au parc, alors, parce que c'était les deux seuls soirs où la serveuse, où elle était pas en cours. Et tous les soirs, je me disais qu'il fallait que je t'invite. Et ça m'a pris une putain d'année. Et si Monarch, si m'apportait un cadre, tu m'apportes une raison de vivre. J'ai fait ça pour te protéger, pour nous protéger. Notre famille. J'ai fait ça pour protéger notre famille. Mais Emily, tu dois m'écouter. Une chose terrible va se produire. Je vais t'expliquer tout ça en route, mais on doit partir tout de suite. Je t'en prie. Alors je t'en supplie, Emily, laisse-moi te protéger. Une dernière fois. Je t'en prie. C'est moi. D'accord. C'est moi. Tu vois, on doit y aller. On doit vraiment y aller. Ça marche. Oui, c'est Pierce. Je suis dans le labo du périmètre. J'ai des informations à propos de Martin Hatch. Je veux que vous l'appréhendiez. Immédiatement.